Du tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour faire la suite de notre let's play sur Dragon Quest Builders 2. Donc aujourd'hui du coup on va poser du coup le compost. Donc, on avait trouvé comment fabriquer du compost. Et bien maintenant on pourra en faire partout sur l'île à part qu'il nous faut de la matière féconde, donc du coup ce qui se trouve dans les cabinets. Et du coup il faut aussi des graines d'herbe. Des graines d'herbe. Et vous voyez, si on fait ça, l'herbe, il n'y a que ça de verdure. Alors que là, avec son compost, on peut faire tout un gros carré comme ça. Donc là, il nous a fait un juste un petit bout d'herbe, puis là, il est content. Dis-moi, t'as vu ça, Gaëtan, là, qu'il n'y a pas qu'on a fait pousser cette herbe? Bah, si. Je vais pouvoir continuer à faire pousser de l'herbe tant que tu continueras à fabriquer du compost. Il sera bientôt verdoyante, je te le garantis. Incroyable. Tu as fabriqué du ce compost toi-même, Gaëtan. Comment tu as fait? Quel ingrédient tu as utilisé? Comment ça? Tu sais quoi? Si je savais quoi, je ne t'aurais pas posé la question. Impressionnant. Le sol a été purifié et l'herbe pousse à nouveau. À ce rythme, Verchant ne tardera pas à retrouver sa splendeur. Pas mal. Quand on aura fini ici, on devrait l'inviter à faire pareil sur l'île de l'éveil. Lulu en reviendra pas. Ah merci tout le monde. Sans vous, j'aurais jamais réussi. Et puis. Si on continue comme ça, on pourra même faire pousser jolies fleurs. Jolies fleurs, je rêve de voir des fleurs. J'en ai beaucoup entendu parler. Il me tarde d'y être. Attendez, il se passe quelque chose. Un combat. Les héritiers de chaos se préparent à attaquer en masse, si tu veux mon avis. Un vrai combat trop mortel, j'ai trop hâte. Ils veulent carrément détruire la ferme. C'est leur intention. J'en ai peur. Nous devons tout faire pour les repousser. Si c'est pas déjà fait, est-ce que tu pourrais genre nous équiper avec des armes les plus mortelles, autant mettre toutes les chances de notre côté. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es prêt à combler? Tant mieux, notre dernier vrai combat remonte à un bout de temps. Et j'avoue que ma massue commençait à me démanger. Allez hop, c'est parti. Le combat. Et bah là c'est parti hein. Par contre là ils sont en train de tout déglinguer. Et c'est pas fini, il y en a 627. Pas trop mal hein.
fait mal jusque là, je sais pas. Je sais même pas que je me fais mal, mais attendez. On va se venger, hein. Alors là, par contre, il me fait encore 8 de dégâts. Ça fait... Là, par contre, ça fait mal. Voilà, au moins 30% de vie, ça devrait aller. Ah oui, merci, mais tout de là. C'est mon gestir. Ah, il n'a pas eu le temps de faire son éther. C'est de les tuer, ça. Impérativement, ça. En rouge, hein. Bon sang, Yatan. Ce grand mois était intense. Les héritiers de Chaos ont l'air de vraiment nous en vouloir. Hein. C'est déplorable, Bertil, mais inévitable. J'en ai bien peur. Nous allons devoir régler nos différences sur le champ de bataille. Yatan. As-tu déjà entendu parler de la babouin? Il est le primate de Verchamp, tandis que je ne suis qu'un simple pâtre. Il est beaucoup plus haut placé que moi et sa ministre. Menmis sur l'île est absolu. Il est en déplacement, mais j'espère pouvoir lui faire entendre raison à son retour. Peut-être pourrais-je le convaincre de l'utilité du vénérable. Mais cet abriseux ne parviendra pas à l'impressionner. Il va nous falloir faire croître le vénérable à maturité. D'accord, Hack. Mais moi, j'aimerais savoir quand est-ce que vous allez vous décider à vous retrousser les manches pour nous donner un coup de main. Comment? Oui, Malroth a raison. Vous habitez à la ferme avec nous, notre bâtisseur. Quand est-ce que vous allez enfin participer? Moi, une incarnation de la destruction. Devenir bâtisseur. C'est une offre des plus intéressantes, je vous l'accorde. J'y songerai peut-être un jour. D'accord, allez, Gaëtan. Il faut qu'on plante deux autres types de graines, qu'on termine les tâches du patron, et cet endroit deviendra la meilleure ferme de Verchamp. Allez, tout le monde au boulot. Là, il finit du coup son travail. Ah, ils ont pas réparé la base. Pour une fois. Ça, c'est fini. Pour leur poser des graines nous-mêmes pour réparer ça. Voilà. Alors là, du coup, on va poser derrière.
On va poser un compost exactement là. Voilà. Donc lui, il fait son travail. Alors maintenant, je vais parler à Bertil. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Oh, le totem, il a fait beaucoup de cœurs. Alors, on va attendre un petit peu. Voilà. Voilà, fini. C'est vraiment bien, parce que du coup, ça donne beaucoup de cœurs, du coup. Je suis bien contente qu'on ait réussi à repousser ces horribles monstres. Enfin, peut-être que notre chance ne va pas durer. C'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche de trouver de nouvelles semences et d'en finir avec les taches du pâtre. J'en ai justement touché un mot avec les fermiers qui se sont installés ici récemment. Et figure-toi qu'ils m'ont parlé d'une nouvelle graine qu'on pourrait cultiver. Oh! Ça m'intéresse là par contre. Apparemment, quelqu'un aurait enterré des graines de citrouille dans la forêt tropicale. Ouais. Hors de portée des héritiers de Chaos. Elle se trouve au-delà du marais de Verchamp. Tu peux y aller et tenter d'y trouver 30 graines de citrouille, s'il te plaît. Et ben, c'est clair et net, hein. Franchement, ouais. Bah en vrai on va y aller pour voir où ça. Poudiou, cette attaque était sacrément terrifiante. Hein. Enfin, on est tous en un seul morceau, c'est ça qui compte. Ouais. Tu te souviens de ce que Bertil a dit quand on organisait un festival de la moisson, quand on aura fait tout ce qu'il fallait faire pour le vénérable. C'est ce que je peux plus t'attendre, moi. Alors je me suis dit que je pouvais t'aider à trouver des graines, histoire d'accélérer les choses. Le patraque m'a parlé d'un vieux pont à l'est du marais de Verchamp. Il m'a aussi dit qu'avant il faisait pousser un autre type de graines de l'autre côté. C'est juste, j'ai entendu dire qu'il existait une graine ferme où l'on cultivait tomates à l'est du marais, jusqu'au jour où elle a été détruite par les héritiers du Chaos. 7 ans. 100 ans. Il se trouve peut-être encore des graines enfouies dans la terre avec l'aide de ta nouvelle amie Pushy. Tu ne devrais avoir aucun mal à les trouver. Comme pour le canne à sucre, la culture de la tomate nécessite une technique bien particulière dont j'ignore malheureusement tout. Je te suggère de chercher quelqu'un capable de construire sur cette méthode au même endroit. Bon, bah, voilà Gaëtan, à toi de jouer, hein. Va donc nous trouver 30 graines de tomates et puis apprends à les faire pousser tant qu'à faire. Tant qu'à faire, autant les faire pousser. Alors par contre là, les points, il y en a 4 ou 3, ouais. Ouais, ils nous ont donné une grosse quête, hein. Franchement, une grosse quête. On a de la nourriture, on est pas mal. Est-ce qu'on a encore de la matière féconde? On en a pas. Non, on en a pas. Bon, ok. Alors du coup, ouais, ça a bien avancé là. Là, ce qu'il a fait, c'est bien, ça a bien avancé. On va encore continuer. Non, ça se passe que je vais faire. Ah, c'est pas grave, parce qu'en fait, moi, ce que je veux qu'il fasse, c'est faire ça.
On va le faire nous-mêmes, ça sera plus joli. On récupérera des graines nous-mêmes. Voilà. Bon, franchement, ça avance vraiment bien. Alors là, on a des graines de blé, on a tout posé, donc on est pas mal. Allons y va. Je vais le rouvrir. Je sais pas exactement ce que je vais faire, mais hop, là maintenant vous pouvez venir. Il faudra que je fasse un petit portique pour qu'il puisse venir. Alors comment on fait pour aller là-bas? Parce que je ne sais pas comment faire. On va passer par là. Ça sert à rien de les taper parce que là pour l'instant on va y aller. Ah, on va le trouver avec un as. Ah tant mieux, eh, tant mieux parce qu'en vrai j'allais dire tant mieux qu'elle nous a trouvé parce qu'il nous manquait juste deux points de canne à sucre. Donc ça tombe bien qu'elle nous a trouvé la canne à sucre. Il y a une graine rare de l'autre côté du pont. Ah. Il a flairé de la graine. Hein. Et là, cette fois-ci, c'est la graine de tomate. Il était obtient une graine de tomate. J'ai jamais vu ce type de graine. Tu crois que c'est une graine de tomate? Tu le sais, celle que Philibert nous a envoyé chercher. Pour encore qu'on apprenne à les faire pousser. Voyons s'il y a quelqu'un dans les parages qui pourrait nous aider. Non, c'est pas possible, je suis mort. J'étais à 1 cm de lui et de pas mourir, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, on a récupéré. Bon, on y retournera la prochaine fois. Parce que de toute façon, la vidéo va faire déjà 20 minutes, donc du coup, on va mieux s'arrêter maintenant. Voilà, je récupère mon bloc. Voilà. Donc du coup, et ben, je vous dis, à demain. On va poser les deux derniers plans. Voilà, comme ça, on a tout fait pour la catastrophe. Voilà, donc, à demain, c'était Solution Profil.